Donc ça fait bien plaisir de voir que la propagation est venue à pouvoir écouter un petit peu. Donc il faut que ça soit en direction de l'Ouest. Quand deux QTH bien éloignés ne s'entendent visiblement pas, je parierai pour l'île de la Réunion d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai reconnu 9 Bravo Charlie 555, donc le Québec. Et 73-51, Gilles, 9 Bravo Charlie 555 de Rémy, Sud-Ouest de France. Ouais, j'ai la tête dans le cul, je me réveille juste. Je vais prendre mon petit déjeuner, à plus tard, à chier trois coups. Ça ira mieux après, tant que j'ai rien dans l'estomac, moi j'ai du mal à aligner trois mots. Ok, oh, je te laisse. À tout à l'heure, Hachi. Merci. Après, petit passage dans la salle de réunion. Et je reviens. D'accord, je traduis dans la salle de bain. Oh là 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 là. Oh putain, il y a longtemps que c'est... Ça longtemps, il y a... Ah, j'ai... putain, tu vois, j'arrive plus. Allez, à tout à l'heure. Alors, Gilles, 173, Alpha Tango, 101, Michael qui t'appelle, mon ami. Mon ami, comment vas-tu, Michael, ce matin, après-midi, pour toi? Ok, le petit coucou, 73, ça me fait bien plaisir de t'écouter. On va dire que ça va, my friend. Voilà, j'espère de ton côté que ça va, du bon matin. Bah, ici pour nous, ça va être bientôt la nuit, hein. Ça va être bientôt la nuit, la journée est relativement très très bien. Donc la température est de 23 degrés. Ah, je suis pas ton degré aujourd'hui. Voilà, grand plaisir de t'écouter, c'est toi aussi, mon cher ami. Voilà, on te micro. Vous entendez le souffle derrière? Bon, là, aujourd'hui, il n'est pas énorme. Allez, réagis. C'est... Là, j'ai monté d'un cran. Mais bon, là, les ouvertures présentes, ça fait pas mal de jours qu'on arrive à se choper. C'est formidable de se faire le petit coucou. Voilà, ben, je te laisse continuer. 73, merci m'avoir répondu. Hein. Voilà, c'est toujours un grand plaisir. On a voyagé pendant 5 minutes à Chivara. C'est vrai que c'est Free Sky. C'est étonnant. On a 6h40, 6h45. N'importe quoi. Mais quand même, à 1600 mètres d'altitude. 15h40, 15h45. De la glace et par moments de la neige aussi, hein, voilà. Mais bon, le Québec, la Réunion, voilà. Mais bon, il fait quand même des fois moins avant ça, là, tout à l'heure, il s'entendait pas visiblement. J'ai envoyé un petit bonjour. Coïncidence, ça y est, là, ça passe. Comme quoi, des fois, les ondes. Je suis à 7 km de la mer, à 10 km de route de la ville, voilà. Donc la ville n'est pas très loin. Les deux routes, ça fait quand même une petite trotte. Et en montagne, voilà, mais fabuleux, voilà. Donc en tous les cas, franchement, ça fait plaisir de vous discuter comme ça. Après ces longs passages qu'on avait pu pouvoir écouter, nos amis et cousins, donc francophones, Hachi, voilà, je te retourne le micro. Oui, j'avais un téléphone aujourd'hui, mon ami, parce que j'ai tout le temps à point et puis toujours.
Putain, oui, là j'entends bien, ouais. Même si le signal n'est pas très épais, j'ai moins de parasites derrière. Ça va mieux. Donc je reste à l'écoute, vas-y, donc continuez un petit peu. Moi je vais retourner en 3-2-5, à essayer de voir s'il y a d'autres divisions à faire. En tous les cas, toujours merci d'avoir répondu à mon appel, et on va essayer de se raccrocher dans la suite, 73, ciao my friend. Qui monte. Bon allez, je reviens. Bon, voilà, de retour, 16h. Oh, oh, oh. C'est pas gagné, là. Attention, Gilles pour Rémi. Ah, c'est en direct, la propague a tourné. Bon ben tant pis. La propague a tourné sur le sud. Ah oui, Italie. CQ, appel de 14 kilomacs, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomacs depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Voilà, évidemment. Bon, ben on sait où aller la propague. Le sud et les USA. Salut,
français. La Gironde. Attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada pour le sud-ouest France qui appelle. Eh ben voilà, avec un parasite électrique. Attention Gilles, 9 Bravo Charlie, 555 pour Rémi, 14 km 33-01. Il y en a qui font des travaux, là, qui jouent du marteau-piqueur, là. Bon, plus haut, c'est pas la peine. Oh, j'ai rien compris. Hein. Alors là j'ai enlevé le filtre DSP, pour le coup on n'entend plus personne, ou alors juste Christian. Break.
Et 73, Christian. Allez, Rémi, merci, 73. Je te laisse avec Gilles, là. Allez, Gilles, à toi, Rémi. Ouais, mais justement, je n'entends plus. Ah, je suis trois coups. Les 73 renouvelés, Christian. J'ai un parasite électrique là de mon côté qui du coup le couvre. J'étais persuadé que la propague avait tourné ailleurs, puisque bon, j'ai fait un petit tour et tout ça. J'ai été à droite, à gauche sur les fréquences. J'ai vu que c'était surtout le sud, l'Italie, tout ça, le Brésil certainement aussi, les USA qui passaient. Et j'ai entendu plus personne du côté Québec. Alors j'ai cru un instant que la propague avait fui, et puis en t'écoutant justement là ici sur le 625, répondre à Gilles, je me suis dit, tiens, il est derrière, mais c'est complètement inaudible là de mon côté, ça passe plus ou à cause du QRM électrique que j'ai là. Ah oui, ça c'est clair que là c'est le bordel. Parce que en disant ça en même temps, là, j'ai entendu de la surmodulation là derrière, là qui arrivait. La fréquence de Gilles est pas mal occupée, quoi. C'est que le 625 il est devenu célèbre. Elle chie trois coups au fur et à mesure des années, quoi. Ok, tout ça retourné de ton côté, amitié, 113-51, 212, à plus, Christian. À plus, c'était Gigio, il y en aura toujours, malheureusement. Oui, non, mais disons que tout le monde ne s'entend pas aussi en DX, hein. C'est, y a des couloirs de propague, il suffit que ce soit un autre couloir qui passe et tout, ça, tac, et forcément, ça s'entend pas forcément les uns les autres, hein. C'est surtout ça, je pense, hein. Comme là tout à l'heure, je venais de, parce que travaillant la nuit, là, je venais de me lever et tout. J'entendais ici, d'un côté, la Réunion, d'autre côté, le Québec. Et visiblement, ils s'entendaient pas. Et puis paf, d'un seul coup, ça a passé et tout ça. Tac, j'ai suivi un peu le QSO et tout ça. C'est là, mais il suffit que ça soit à un moment, ils s'entendent pas et puis c'est tout. Hein. Putain là, ouais, j'ai un QRM électrique là de 5 là de mon côté. Alors je crois que là, Gilles, c'est même pas la peine. À moins qu'il pédale très vite là de son côté, là dans son sous-sol. J'ai vu qu'il a du matériel de musculation. Il va falloir qu'il se mette dessus, là, qu'il aille à fond dessus, là, pour pouvoir passer plus fort. Ah, chie trois coups. Oh, c'est qui ça? C'est quoi? Ouais, tiens, par contre, là, il y a un petit malin qui est derrière. Alors lui, par contre, c'est clair qu'il le fait exprès. Et en plus de ça, lui, Gilles, il a une tempête de neige là, chez lui. Il m'a montré des photos. Voilà, là, c'est un manteau blanc de partout et puis bien épais en plus. Ok, 73 retournés, à plus. Bon Gilles, je sais pas si tu m'entends de ton côté. Du coup, je pense que oui, mais bon là j'ai le choix entre du QRM électrique qui monte à 5 ou une porteuse là, qui fait mumuse avec son micro. Hein. lequel je choisis dans les deux, je sais pas trop. Là, je pense que je vais avoir du mal à me décider. Ah chi. Bon bref, tout ça pour dire que tu vois là j'ai pris mon petit déjeuner, là ça va mieux là de suite là. tout ça pour dire peut-être à tout à l'heure si ça se calme ici là sur le QRA. Sinon peut-être sur la route du pro.
Ça, c'est des gens de Facebook, ça. Bon, je le dis en blaguant, hein, des gens de Facebook. Hein. Parce que bien souvent, ce genre d'ânerie, hein, c'est sur ce réseau social qu'on les trouve. Hein. Ah, bon, ben c'est pas la peine. Ah, c'est passé sur 600. Hop, de retour. Bon, pour le coup, c'est Gilles qui n'est pas de retour. Il doit se balader en fréquence. Je vais rester en stand-by dessus, puis on verra bien. Ouais, t'as 109, bravo Charlie 555, Gilles pour Rémi. Voilà, j'ai un QRM électrique là de mon côté, là, qui navigue 3-5-3 pour le moment. Donc là, t'arrives à passer dedans, mais de là à dire ce que tu dis, ta bouillie, ça devait être certainement très intéressant, mais j'ai rien compris. Désolé, mais ça passe pas assez fort de mon côté pour arriver à passer au-dessus du QRM électrique. Ah. Ça y est, là, t'arrives à passer un peu au-dessus, là. Là, t'es monté, signal 4-5, là, c'est bon, là, tu commences à pédaler assez vite, mais c'est pas encore assez. Allez, pousse un petit peu, là, sur le vélo électrique, là, sur le vélo épileptique, je veux dire, pousse un peu dessus, quoi. Là, que ça fasse monter les watts, chie trois coups. Et puis, zut, c'est comment déjà? Elliptique. Ah, là, ça va mieux, le vélo elliptique, je voulais dire, pas épileptique, n'importe quoi, hein. Affirmative QSL, ah ben là t'es bien monté, toi là ça navigue un peu, là, ben là ça va déjà mieux là. Ouais, 4h25 de mon côté, toi là ça va déjà mieux là. T'as monté ton antenne ou t'as dégivré ton antenne? Parce que vu la neige que tu as eue. Ah là, ouais, c'est redescendu là. En tout cas, hey, t'as vu ce matin, sans déconner, là. Enfin, ce matin pour moi, je parle. quand je t'ai envoyé la photo, il devait être 5h15, 5h30, je sais plus. 5h15, ouais, ou 5h autour de ça, bon bref, donc autour de 23h, 23h15 de ton côté, il faisait plus froid pour le coup chez moi, avec moins 5 degrés alors que toi tu avais 0, quoi. Ah putain, je suis bleu, quoi. Je suis bleu.
Ouais, c'est en train de partir aussi là de mon côté là. C'est en train de me fuir aussi. C'est un peu compliqué. J'ai aussi là du mal à t'entendre. Ouais, comme je disais tout à l'heure là, j'ai un cul. Comme tu me verras là, je suis en train de faire une vidéo là. Je suis en train de bafouiller à fond avec ça. Tu verras dedans, c'est aussi compliqué de mon côté. Hein. Ah, sans le filtre. Ah, la propagation fait des yo-yo, oui. Ouais, c'est sûr. Et là aussi, hein, j'ai regardé un petit peu là sur Internet. C'est vrai que côté soleil, c'est pas top, top, top. Je sais même pas si tu as répondu à quelqu'un ou si c'est à moi que tu répondais. Là, c'est trop mal passé de mon côté. Tu me diras ça sur Internet. Ouh là 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 là. T'as vu les conneries, par contre, ça passe mieux. Hein. J'ai entendu dire QSO, donc j'imagine que tu vas certainement passer QRT, je pense. Alors, 14h30, oh ben non, ça fait 10h30 chez toi. À moins que tu aies autre chose à faire. Quoique, on est samedi. Oh oui, il y a l'YL qui est là, donc hop, va falloir aller la voir, lui faire un petit câlin. Ok, d'accord, je vais te laisser, Gilles. Des bonnes 113-51, toi, 212 QRA. Bis à Nathalie et à plus tard. Ah ben c'est remonté. Ça m'a fait une blague, c'est remonté. Là, je vais pousser un peu plus le réglage. Voilà. Là, je suis peut-être un peu trop, là. Là, je suis à fond, là. On se croirait. Là, on dirait qu'on est à la tête d'un aquarium. Waouh. Là, je suis à 7. D'habitude, en temps normal, je suis au réglage de 4. Là, je suis à 7. Je vais descendre à 6. Dans la blagounette, j'étais tellement habitué au QRM que là, comme ça me fait bizarre. Toujours là, Gilles. Ouais, c'est comme tout par la clôture, là, c'est des ailes, hein.
Ok, merci pour le retour de micro. Alors là, je suis en train de faire un test. Comme quoi, et des fois, on a un appareil qui est branché depuis longtemps. Tu sais qu'en ce moment, là, je te parle souvent là de mon filtre DSP, la BHI. Et en fin de compte, j'ai fait les réglages et tout dessus pour moi, ceci, cela. Et là, avec le merdier que j'ai derrière, le problème que j'ai derrière pour écouter. Là, pour le coup, j'ai poussé le réglage au maximum. Là, je suis position 7, alors que d'habitude, je mets simplement à 4. Donc là, je suis monté à 7. Tu verras ça dans la vidéo, là, sur ce passage-là. Et c'est complètement étranglé. Hein. Alors là, on a l'impression qu'on a la tête d'un aquarium. Mais toi, pour le coup, tu passes, mais super bien dedans. C'est, je dirais pas du téléphone, parce que là, pour le coup, ce serait du téléphone mouillé, quoi, vu le bruit que comment ça fait. Je t'entends super bien, là, pour le coup, là. Ouais. Bon, ça a trouvé sa limite, je suis descendu à 6. Ouais, la propag fait le yo-yo, ouais, c'est clair. Ça fait le yo-yo parce que là, pour le coup, là, ça passe plus de mon côté. Ok, ça marche. Les choses, c'est vrai que là, on a poussé vraiment au maximum. C'est pour aujourd'hui, on a poussé au maximum. Allez, les 73-51, Gilles, Eric de Belgique, si je me trompe pas, j'ai pas regardé sur internet. Les 73-51 également à lui, mais il passe toujours pas de mon côté. Hein. Et à plus tard. Et pour ma part, là, je pars dans dans 2 heures. Dans à peine 2 heures, je pars au travail. À plus, Gilles. Ouais. 73-51, retourné. Là, je suis descendu à 5. Faut avoir constamment la main dessus pour jouer suivant le moment présent. Bon, ça, c'est pas grave si ça permet de mieux entendre. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, parce qu'ils ont des problèmes d'acouphènes, par exemple, des trucs comme ça, c'est un filtre DSP de marque BHI. Alors, le mien, de Member Echo India Mic 1031, visiblement ce modèle-là se fait plus. Il est en position verticale. J'ai vu qu'il y en a un nouveau, qui est quasiment la même chose. Hein. C'est la même chose en position horizontale. Alors, dessus, il y a 1, 2, 3 réglages. 4 réglages plus bouton à bascule on off. Donc il y a le réglage d'entrée, réglage de sortie et le réglage cette position intermédiaire qui lui étrangle. Alors le réglage qui étrangle, il a son bouton on off. Là je vais le couper. Je crois que vous avez vu la différence. Le général, ça ne va pas faire grande différence.
une partie du fit. Ah bah d'accord. Ah oui, d'accord, oui, c'est parce que... Ouais, ok, j'ai compris pourquoi... Au niveau gain sorti, je dois être un petit peu plus haut que la normale. Donc, ok. Bon, le plus important, c'est celui-là. Voilà. Là, je suis en position 5. Là, position 7. J'enlève le filtre. Je le remets. Alors, 7, 6, 5. Je mets là en 4, bien souvent. On va se trouver quelque chose. Là. Il faut quelqu'un sans le filtre. Là, ça va être bon. On a pas mal de bruit. Je le mets. Vous voyez, voilà à quoi sert un DSP. Et là, je suis à la position 4. Alors, je le recoupe. Alors, 4, 5, 6, 7. Je le remets. Là, on n'a plus rien. Alors, 7, 6, 5, 4, 5, 7, position 7, voilà. Bon, là, c'est trop, là, je suis à l'extrême, hein. 6, 5, je coupe. Là, je remets. J'aurais été bien clarifié, c'est sur lui que ça aurait été mieux. Une modulation bizarre, oui. Donc on a dit position 5. Voilà. Position 7. Six. Cinq. Donc sur internet, hein, vous tapez, si vous êtes vraiment intéressé, vous tapez filtre DSP, Delta Sierra Papa, marque BHI, Bravo Hotel India, et vous trouverez facilement. Ça existe soit à brancher, bon par contre ça a un coût, hein, évidemment, c'est pas un truc à 3 euros. Je me souviens plus du prix, mais bon, c'est quand même... ça va être c'est un coup de trois chiffres. Il existe des versions intégrées au haut-parleur. Est-ce qu'ils ont tous ces réglages dessus? Non, il me semble pas. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul réglage dessus. Mais bon, ceux qui utilisent ça en sont très contents. Pour ma part, j'ai opté pour l'appareil séparé. Parce que bon, ben, les haut-parleurs, j'en ai déjà. Hein. Alors, N+, pour la voiture, oui, c'est intéressant. Un haut-parleur et DSP intégré en voiture, là, je suis d'accord, je dis pas. Mais à la maison, bon, on a la place.
Et en plus, là, j'ai l'avantage d'avoir plus de réglage dessus, comme ça. Alors, là, je suis où, moi? Position 5. Je m'enlève. Là, pour le coup, on n'entend plus personne. Ah, si. Bon, parce qu'il a un bon signal, quand même. Hein. Et là, voilà. Bon, là, c'est fini de ce côté. Il est parti faire autre chose. Je recherche un petit signal. Bon alors, voyons en AM. Ah oui. Voilà. Vous dites qu'il y a du bruit. Tac, voilà. On est tranquille. Donc là, ok. Je ferai bien un test en FM, mais déjà sur un décamétrique, la FM est mieux filtrée. Donc, ça serait pas très juste. Allez, 0,85. Si, quand même. Comme quoi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Donc sur un poste CB, l'AFM, c'est beaucoup plus criard que ça. Donc on peut dire déjà que de mon côté, c'est déjà bien filtré le poste seul. Là, j'ai mis le DSP. Et bien voilà. Bon, maintenant, c'est la propague étrangère, hein, on comprend que dalle. Et puis non, c'est en AM en plus. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Et là, voilà. Ok, allez, ce coup-ci, fin de la vidéo, parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Déjà là, je sais pas combien de temps va durer. Et il est toujours là. Salopeau de QRM électrique.